Laisse-moi, c'est tiens. Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous êtes tous très très bien. Moi, ça va nickel aujourd'hui. Nouvelle vidéo, si ça va bien, sur Farming Simulator 14. Voilà, pour continuer notre petite série en solo. Alors, aujourd'hui, on va faucher tout simplement. On va faucher, en gros, on va préparer pour auto-charger. Pour auto-charger du foin. Non. Tac, voilà. Ok, la fauche c'est là, ouais. Alors, tac. Je pense que. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faucher moi-même et puis je vais mettre un ouvrier après pour. En même temps que je fauche à mon déni. Comme ça, après, on pourra auto-charger tranquillement. Après alors bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais préparer le Lamborghini. Et oui, si vous voyez que j'ai un peu plus d'argent, c'est parce que bref, j'ai fait une petite mission pour gagner un peu d'argent, tu vois. Et là, j'ai dû en gagner 13 000 balles parce que j'avais 71 000 quand j'avais arrêté tout à l'heure. Tu vois. Je sais pas. Donc voilà, du coup, on fait le petit épisode. Deux rangs de fauche, et après, on va mettre l'ouvrier à. En déni, puis nous on va continuer tranquillement. Après, tac, lui on va le placer comme ça. C'est parti. Attends, ah, c'est bon. Du coup, on y go. Moi je joue à Brawl Stars. Et oui, il y a mon frère qui joue à Brawl Stars à côté de moi. Donc voilà. Et puis on fauche à 22, lui dans des nids, je crois, à 18-20, je crois. Donc est-ce que je roule plus que lui? Sûr et certain. Tac. Voilà. Evan, je vais essayer de connecter le mode. Mais ferme la porte! Je connais tout le monde, mon téléphone. Réfléchis un peu. Du coup, hop. Non, je suis mort. Fais ça tout rapidement. Il a fait qu'un anda. Ouais, bon, c'est peu, hein. Là, il va faire son deuxième. Du moment qu'il fait des andins, c'est bon. Après, tu verras, en même temps, j'ai pas un ingénieur à une partie, donc c'est sûr que ça va pas vite à un donné, donc. Tac. Ah, d'ailleurs, faut que je regarde une vidéo que j'avais faite avec un pote. D'ailleurs, je sais pas s'il y a combien de vues, parce que j'ai pas trop été voir. Oh bah, tu vois, si on a le temps, tu vois, si on a le temps de faire un autre truc, on pourra peut-être faire un autre truc, ouais, parce que là j'ai pas grand chose à faire, parce qu'en gros du coup dans le prochain épisode je vais auto-charger, et dans l'épisode 9 je vais donc après l'épisode que j'aurai auto-chargé, on sèmera mon maïs, et après épisode 10 on épandra de l'engrais dans le maïs, et après épisode 11, je pense qu'on combattra notre maïs. Oh, par contre, c'est mon maïs, je sais pas, faut que je voulais, mais... Hop, du coup, on a fini, c'est parfait. On avait combien de gens? 3 gens, fumier est parti. J'avais vendu un peu de fumier dans le dernier épisode et j'avais déchaumé, du coup j'avais tout préparé pour semer. Et deux nouvelles coupes, là, une coupe à maïs et une coupe à blé. C'était juste. Ah, on va mettre ça là.
Hop. Parce que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais. Attends, je vais peut-être aller remplir lui là, au max. Je vais remplir lui au max et on va se mettre notre maïs. Alors attends, je peux rien faire. Ah non, voilà. Voilà. Voilà, il est plein. On peut boire du. On a même beau faire du miro, tu vois. Parfait. Du coup on prépare ça. Bon, on va peut-être. Non, je vais direct la clé sur l'autochargeuse, comme ça sera prêt. Je vais juste le remettre là. Comme ça seulement il sera prêt pour semer le maïs. J'ai mis sur le petit icône de maïs, comme ça on fait que je fais le maïs. Tac. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça, voilà. Voilà. Ah, on va le mettre. On va reculer un peu. Hop, du coup ça c'est prêt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être faire un petit tour en voiture pour vous montrer un peu comment on va passer par là. Tac. Et je pense que si j'ai peut-être envisagé sur. Je vais peut-être m'engager à acheter un nouveau champ. Donc un champ qui est à côté de la ferme qui coûte 70 000 balles. Donc après c'est que si je l'achète j'aurai 14 000. C'est pas beaucoup. Du coup je vais attendre un peu avant de l'acheter, au moins 150 000 euros, comme ça je serai sûr que j'aurai 80 000 euros. J'aurai un peu d'argent d'avance. Donc là nous avons le magasin qui est là. On va passer là. Là nous avons le magasin. Que ce soit la voiture. Après je crois que c'est pour vendre des cultures et tout. Après, nous avons. Alors, attends, là, je crois qu'on est en bas de la map. Ah non, on arrive en haut de la map. Donc là, nous avons des champs. Là, enfin, voilà, là, c'est des champs à côté de la ferme. Enfin, à côté de la ferme. Entre parenthèses, on va dire. Là, nous avons un pays et tout. Hop. Je suis un fou. Là, il y a la ferme à côté et tout. Là nous avons un autre champ qui a. Ah si non c'est celui. Non. Là c'est un prix d'herbe que nous avons pas sur le DS. Là nous avons un point de vente. Donc ça c'est au port. Et l'autre c'est dans le magasin. Puis les références, je crois. Attends, je vais voir. Si je me rappelle, c'est. Non, c'est l'auberge, c'est ça. C'est l'auberge, le point de vente là. Alors attends. On va juste mettre la mini-map, voilà. Du coup, on va aller en bas de la map. Donc là c'est la petite ville là qu'il y a là derrière moi. Hop. Donc là nous allons en bas et là nous avons plein d'autres champs, une autre ferme entre parenthèses, une ferme céréalier, tu vois. Mais je vais comme je fais sur ma DS, je bats mes blés, enfin mes blés et tout ici, et je ramène à la ferme. Là on va arriver au magasin. Une voiture en plus qu'un mais bon, on va essayer. Le pire, on va le temps. Tac. Du coup, on va aller voir si. On va aller voir le BGA. Donc là, c'est là où qu'on vend l'ensilage. L'ensilage, et tu peux vendre aussi des cultures. Parce que j'ai un ami, moi, il a farmé une 14 sur sa DS. Et puis bah ils vont souvent tomber ici. C'est ce qu'il m'a dit, voilà. Et là bah là nous avons un truc pour ça c'est pour le lisier, voilà. Pour prendre le lisier. Et je crois qu'il y en a. Attends, je crois qu'il y en a pas mal en plus. Il y a 33 tonnes de lisier. Donc 33 000 litres de lisier, c'est déjà bien. Après nous avons beaucoup de champs. Et là c'est pour remplir le semoir, voilà. Donc les semences, quoi. Là nous avons un autre prix qui a. Je crois que celui-là il est pas sur le 14 DF. Lui par contre il y est, lui là.
Yeah, après voilà. Tu vois, on a 4-5 champs plus que sur le 14. Au moins 4. En plus. Alors du coup on va rentrer, on va aller voir ce qu'il y a plus d'autre. Du coup ouais, ce qu'il y a plus d'autre de la map. Du coup on n'aura pas fait grand chose dans cet épisode. Alors lui il a fait quoi lui? On va aller ranger la bagnole, puis on va aller ranger aussi le Lamborghini au moment que je le fais je peux juste pas une deux. Ah merde, on va passer là. Hop voilà, nickel, on n'a rien vu. Comment faire, voilà. Alors, on va ranger ça. Et puis nous, bah on va se laisser là les amis, hein. Parce que ça fait déjà 11 minutes de vidéo, c'est déjà bien. C'est déjà très très bien, non? Du coup, bah moi je vous laisse là pour cet épisode. Et du coup, bah j'espère que l'épisode vous aura plu. En tout cas, dans ce cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo à des potes et tout. Et moi je vous laisse là pour cet épisode. Allez, ciao.